Je chantais dans ma douche. Quand subitement, la chanson chrétienne que je chantais se transforme en une chanson mondaine. Mais sans que je ne m'en rende compte. Quand j'ai fini de chanter, je sors pour aller dans la chanson. L'esprit me dit, tu as vu? C'est une chanson mondaine que tu viens de chanter. Là, je reste un instant calme. J'ai dit, quoi? Oui. Tu te jettes à genoux, je pose la question au Saint-Esprit. Comment ils sont entrés? Il m'a dit, tu as commencé à laisser les païens autour de toi faire ce qu'ils veulent faire. Tu as commencé à t'arrêter sur des émissions télé qui ne sont pas dignes d'une personne qui a le salut. Et le diable connu ne t'attaquera jamais avec sa face du diable. Mais il t'attaquera avec son visage de lumière. Un visage beau qu'il cache, qui cache quelque chose de mal. Colu, il y a derrière la télévision ce qu'on appelle des messages subliminaux. Des messages qui ne parlent pas directement, mais qui ont un contour de communication. Mais quand je ne suis pas sauvé dans ma maison, je continue à suivre. Et l'impact de mon salut n'affecte pas les autres. Alléluia. Oh non, mon beau-frère est venu à la maison, il n'y a pas moyen que je lui fasse mal, Talaga, beau-frère. Frère, tu n'es pas encore sauvé. Le jour où tu es sauvé, tu acceptes d'entrer en combat avec les ténèbres face à face. Nous n'avons pas à combattre avec la chair ni le sang, mais avec les esprits, les dominations, les principautés. Si à cause du respect de fils, je ne peux pas combattre mon père en face parce que c'est un occultiste, je peux le combattre dans la nuit lorsqu'il s'élève. À cause de ma présence dans cette maison, alléluia. Je n'ai pas pu m'opposer à toi en face, mais je m'opposerai à toi en esprit. Lève ta main et dis avec moi au nom de Jésus. Mon salut doit avoir un impact ce soir. Et l'impact de mon salut, c'est lorsque les ténèbres ouvriront leurs portes. Tant que tu vivras sous le même toit que moi, les décollages, les atterrissages du monde des ténèbres sont interdits. Au nom de... Acclame le Seigneur.